Hey, salut tout le monde, c'est Rino. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur Red Dead Redemption 2 sur PS4. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur un jeu vidéo, je suis désolé. Même ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo tout court, c'est parce que. Eh bien, y a un poisson. Regardez bien, y a un poisson tout de suite en commençant. Ben, on va essayer de le pogner, ouais, pour le fun. Ouais, je me fais déjà déranger tout de suite en partant. Je vais le pogner, c'est sûr, oublie ça. Ouais, il est parti, fuck off. Bon, je suis désolé, j'aurais pu quasiment le pogner. Ouais, on va faire une petite partie de pêche aujourd'hui sur Red Dead. Je suis désolé, mais ça fait une semaine que j'ai le jeu et plus, puis j'ai pas fait de vidéo encore, tout simplement parce que ça, j'étais trop dedans, puis j'avais pas. J'étais pas bon à faire de vidéo, je savais pas quoi commencer par faire. J'avais vraiment aucune idée par quoi commencer, fait que là, je me suis pas cassé la tête. On va faire de la pêche. La pêche, c'est pas mal nouveau dans les jeux Rockstar, c'est mal exploité des jeux vidéo, fait que je disais, ah ouais, gros, on va faire ça. On va aller pêcher, aujourd'hui, on va aller pêcher une grosse truite arc-en-ciel, une vraie truite arc-en-ciel comme on connaît, là. Pas un petit bobé. On va se rendre une place à la map qui est ici. On va aller vraiment, là, on va pas à pêche, on va pas à une petite pêche, là. Non, 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 ça va une vraie pêche. On va se rendre ici, tout simplement, en haut là. En haut là, je sais qu'il y a un poisson légendaire en haut là. C'est là qu'on va aller chercher ce poisson légendaire-là, énorme, qui est une truite arc-en-ciel. Juste avant, je me suis mis ici. J'ai essayé de commencer la vidéo ici dans les marais de Lemoine. Puis on va aller chercher. On va aller au magasin de pêche. Jamais été au magasin de pêche encore. On va aller voir ce que c'est en même temps. Puis on va aller s'acheter une hameçon améliorée pour pouvoir pogner ce poisson-là. Allez, on va aller parler à la petite madame. Ouais, vendre. Qu'est-ce que je peux vendre pour toi? Ouais, je peux-tu te vendre des trucs? Pouf, pas grand-chose. Ok. Ouais, je vais t'acheter des trucs de bord. Est-ce que t'as pas. Appât spécial, l'heure de lac, l'heure de rivière. L'heure de poisson. Ben, je dirais que ça serait un l'heure de rivière spécial, parce qu'on va dire une rivière. Fait que, ouais, on va prendre ça. Voilà, c'est bon. On va y aller avec ça. L'heure de rivière spéciale, on va pêcher dans une rivière. Fait qu'on va y aller avec un l'heure de rivière spéciale. Et on va tout simplement y aller, tout simplement. J'ai déjà mis mon point, je crois, on va vérifier. Oui, j'ai déjà mis mon point. On va faire un petit tour de cheval. Je suis jamais venu ici encore, de ce petit village-là, dans les marais. C'est quand même bien accueillant. On va essayer de passer ce chariot-là, qui transporte, je sais pas trop, des citrouilles, ou je sais pas. Bon, allez, on y va. Juste avant, on va peut-être faire manger mon cheval. Ouais, on va faire manger le cheval avant de partir, j'y ai pas pensé. On va lui donner une petite caresse, puis on va le faire manger un petit peu. Il va être bien content. Voilà. Est-ce que je peux te faire manger, s'il te plaît? Allez, s'il vous plaît. Voilà. On va lui donner un petit peu de. Je sais pas ce qu'il va lui donner. Donnons ce qu'il veut. Il a donné de la sauge. Ok, ça marche. Une autre fois. Allez, pourquoi pas. Puis nous, on va se mettre une petite. On va manger une petite canne de. Canne de bœuf en congelé. En conserve, ah oui. Voilà, on va être prêt pour la journée. On est parti. Let's go. On va juste se prendre une arme. Parce qu'on sait pas ce qui peut arriver. On va prendre un petit fusil double canon rare, bien sûr. Voilà, que j'ai réussi à aller chercher sur une espèce de vieux grincheux. Allez, c'est parti. On va faire une petite traite de cheval dans les marais. Puis après, on va monter dans les montagnes un peu pour se rendre dans la haute rivière-là. Wow! Wouh, mais cheval! Wouh! Non, 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 je veux pas me battre, je veux pas me battre, je veux pas me battre! Ça commence bien! Allez, va-t'en, je veux pas me battre, je veux pas me battre, j'ai pas le temps de me battre. Je sais pas trop ce qui s'est passé, j'étais concentré, je pense que j'ai rentré dedans un petit peu. c'est pas grave, on s'en va. Comme si de rien n'était, ça me tente pas de me battre, j'essaie d'avoir ma réputation le plus haute possible. Déjà qu'elle est assez basse demain, j'aimerais ça la conserver un minimum. Espérons qu'on croise pas trop de d'imprévus pour se rendre. On va vraiment faire la totalité. On va essayer de faire la totalité du chemin ensemble. Je vais en profiter pour vous parler un petit peu. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Je suis désolé de pas avoir fait de vidéo. Hey, là, mon cheval est tout sale en parlant de ça. Là. Ouf! Tombé par terre dans la boîte, là, c'est super. Je faisais pas de vidéo sur ce jeu-là. Je sais pas pourquoi. J'ai dit, hey, faut que j'en fasse une. Quand je l'ai eu presque à sa sortie, peut-être 2 jours après. Puis j'ai tellement tombé sous le choc de. En amour avec ce jeu-là, j'étais sous le choc. Je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire comme vidéo pour le mettre à sa juste valeur. J'ai dit, je vais arrêter de me casser la tête. Puis je vais faire une vidéo bien ordinaire.
Je vais faire une vidéo de pêche. Bon, oui, une petite vidéo de pêche, puis en même temps, on va aller pêcher un gros poisson. On va pas traîner, on va pas faire vraiment de quoi d'intéressant. Fait que j'ai dit go, on va aller pêcher une truite arc-en-ciel. Si ça vous intéresse d'avoir plus de vidéos sur Red Dead, vous me dites, on va faire ce que vous voulez, des braquages de train, des braquages de magasin, de la pêche. C'est sûr que si je fais de la pêche, j'aurais pas fait de la petite pêche bien ordinaire d'un lac, je vais faire vraiment de la pêche avec des poissons, des vrais poissons légendaires comme là. Ben, si je fais de la chasse, j'avais pensé peut-être aller faire la chasse à l'orignal légendaire, le gros orignal. Moi qui est québécois puis tout, ça serait peut-être intéressant. Voilà, chasse à l'orignal, vous voyez le délire. Puis ça serait belle fun de la chasse à l'orignal peut-être pour faire ça ensemble. En plus, j'ai le fusil de précision que ça prend pour le tuer qui est... Il dit tes conseils pour le débattre proprement, ça prend un fusil de précision. Fait que je l'ai déjà. De toute façon, j'ai un fusil à verrou aussi. Fait que c'est correct. Tout va bien. Je vais juste garder ça vide. Puis je vais juste donner un petit truc à mon cheval. Oh, j'en ai plus. Fuck. J'ai plus de fortifiant pour l'énergie de mon cheval. Fait qu'on va juste l'économiser. On va pas trop le battre. Ouais, c'est ça, petite vidéo bien tranquille. J'ai peut-être pas la tenue idéale pour aller là. Parce que dans le jeu, ce que je suis rendu, c'est peut-être pas vraiment un spoil, mais on joue un peu les policiers, un peu. On essaie de se faire de... On a changé de région, fait qu'on essaie de... Ben, de faire nos gentils, fait qu'on est devenu des policiers, veux, veux pas. On est devenu des policiers, on a aidé les policiers, puis on est devenu des policiers, fait qu'on a même notre insigne. Regardez, j'ai ma petite étoile à gauche. Puis là, ben, j'ai décidé de mettre une tenue un peu plus chic, même si c'est pas encore super chic. Mais ben, je trouvais ça quand même beau avec les bottes puis tout. C'est pas la tenue idéale pour la pêche, mais vous savez, on s'en fout un petit peu. Hein. Là, je joue vraiment à des places que j'ai jamais été dans le jeu. J'ai jamais vu ce fort-là. J'ai jamais vraiment allé dans l'ouest comme ça. Dans l'est comme ça, je veux dire. Cette petite ville-là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je sais même pas ce qu'on s'en va. Aucune idée. Ouais, il y a un inconnu détraqué ici. Un inconnu détraqué. Je sais pas comment on appelle ça dans Red Dead, mais dans GTA, on appelle ça comme ça. Ouais, mais on a découvert un petit village ensemble. Mais on n'a pas trop le temps d'arrêter. J'arrêterai de mon côté toute seule. Si vous voulez avoir des vidéos sur des petites missions de l'histoire, ben, peut-être même des missions de camp, des... Dites-moi ce que vous voulez, je vais en faire, y'a aucun problème, juste qu'il faut que je cherche quoi faire. Ça a pris une semaine de décider quoi faire, pour au final arriver à un affaire ben, ben normal. Sérieusement, ce jeu-là, là, c'est... J'étais pas prêt à faire des vidéos, c'est tellement... C'est tellement dedans que... Je savais pas quoi faire, j'suis tellement excellent, je veux même pas savoir, c'est le jeu de l'année, c'est n'importe quoi ce jeu-là. Et c'est incomparable à d'autres jeux, je peux même pas le comparer. Je suis sans mots, je peux même pas faire. Je peux même pas vous dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, y'a rien qui est pas bon. Fait que. La seule affaire que je trouvais dole, c'était le sang-froid au début, parce que le sang-froid il était automatique. Mais à un moment donné, dans le jeu, vous débloquez qui est devenu manuel. Vous débloquez manuel. Vous débloquez le manuel, puis quand il est manuel, il est bien correct, il revient comme dans le 1. C'est le seul défaut que j'avais trouvé. Là, ben, j'ai rien trouvé d'autre. Vraiment rien d'autre. C'est tellement d'affaires à faire, j'ai... Parfois, je peux passer des soirées sans faire aucune mission principale, juste à me promener, puis m'amuser comme ça, puis faire des espèces d'affaires aléatoires, chasser, ça fait par exprès, aider quelqu'un, aller vendre des trucs, faire une petite chasse au trésor, ou me faire poursuivre par des primes, des chasseurs de primes, découvrir des endroits, aller chercher des objets. Quand je regarde sur internet des vidéos pour checker des objets rares, puis là je vais aller chercher comme le fusil rare, comme la hache de viking. Il y a tellement, mais tellement d'éléments à faire dans le jeu là, c'est juste abusé. Parfois là, je peux être 3 heures de temps sans faire une quête principale, le jeu avance pas en tout, mais c'est pas grave. Je suis en train de me demander si je vais pas le faire à 100% tellement que je l'aime. Peut-être pas le platine, mais on peut peut-être essayer. C'est la fille qui est difficile, c'est de faire les médailles d'or, et ça, je vous avoue, c'est vraiment dur à faire, parce que... On sait pas ce qu'il faut faire, vraiment, hein? Ben, j'ai un cheval secondaire abandonné, ici. Je crois que c'est mon... C'est mon American Pain. Ouais, c'est mon American Pain. Ah oh, ben, il est resté ici. D'accord. On va le laisser tout seul. On va le laisser tranquille. On va continuer avec notre pur sang. J'ai pris un pur sang. Je suis pas vraiment... Je sais que j'aurais pu prendre un pur sang arabe dans le nord, puis avoir le meilleur cheval. Et moi, vu que tout le monde l'avait, moi j'ai dit, je vais prendre le cheval, je vais y aller comme ça, je vais prendre des chevals qui me tendent, puis je vais trouver ce petit pur sang-là, brun, avec des petites taches blanches un peu partout. Puis je le trouvais vraiment beau, puis il y avait des bons stats, pareil, puis c'est un pur sang dans une S, pas un pur sang arabe. Mais il est quand même très bon, puis peut-être qu'il manque un petit peu d'endurance à mon goût, mais c'est quand même pas si mal. C'est pas... Hop, des sangliers, des...
Les wapitis, on va étudier. J'ai jamais étudié ça. Ok, j'ai un wapiti. En plus, j'en ai besoin. C'est quoi ça? Wapiti femelle. Les rocheux. J'en ai besoin pour mon camp, pour une sacoche. Mon boucher en a besoin. Je vais peut-être m'en tuer un, vite fait. Lequel qui est convenable? Qu'est-ce que ça prend, premièrement, pour le tuer? Attendez. On va sélectionner les jumelles. Wow, 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 wow! Si, ouais, c'est quoi ce marde-là? Un jaguar? C'est quoi ça? What the fuck? Gros félin. Wow! Fuck le wapiti! Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai manqué me faire ça par un jaguar. Peau de cougar, mauvais état. Je vais la lâcher, parce que je sais pas si c'est de mauvais état, mais... Ça a sûrement fait fuir toutes mes... Ah ouais, c'est ça. Bon, ben, fuck le wapiti, mais en tout cas, je sais ce qu'il y a là, des wapiti. Parce que j'aurais aimé ça savoir... Ah, mon chapeau. J'aurais aimé ça savoir qu'est-ce que ça prenait comme arme pour l'abattre proprement, pour avoir une peau. Parce que j'ai besoin d'une peau de ça pour mon boucher, pour me faire une sacoche. C'est ce qui est le plus important, le reste, bouffe. Ça m'intéresse pas tant, c'est vraiment pour faire mes sacoches. Et là, j'ai... Ça te dérangeait par un cougar. Ben, en tout cas, j'ai découvert le cougar, j'ai découvert le wapiti dans le jeu. Pourquoi pas? Ça me fait d'autres animaux à découvrir. Il y en a tellement, je pense qu'il y en a genre 150 des animaux, c'est juste abusé. Si vous comptez en plus les espèces femelles, les mâles, tu sais, ça vient abuser. C'est n'importe quoi ce jeu-là. Là. C'est juste abusé. Ça, c'est quoi? C'est un autre wapiti? Wapiti mort des montagnes, afficher les infos. Convenable, non, ça fait pas. Voilà, c'est ici que on est arrivé à notre petit spot de pêche. Aujourd'hui, on est à la pêche. Mais je vais regarder quand même le wapiti, qu'est-ce que ça prend pour le tuer? Un fusil à lunettes pour tuer l'animal. Oh, ok. J'aurais pu le tuer, mais là, je. Poisson légendaire, vous avez découvert sous votre carte. Voilà, on est arrivé au poisson légendaire. On va devoir le pêcher ici. On va regarder sa map exactement ce qu'il est. Il est plus en haut un petit peu, fait qu'on va peut-être aller un peu plus haut. Si on nous le permet. Je crois que oui, je pense pas qu'on puisse aller en haut de la chute. Je pense vraiment pas qu'on puisse y aller. On pourra pas, d'après moi c'est trop escarpé. D'après moi c'est trop escarpé, ouais. C'est pas mal la limite du jeu ici. Fait que ouais, on va aller vraiment sur le bord de la chute au pire. Où est-ce que le poisson est. Puis c'est une truite arc-en-ciel normalement, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est une truite arc-en-ciel. J'espère que je me ferai pas déranger par des sortes de primes ou quelque chose comme ça. Je vais aller dans l'eau, je vais essayer d'aller sur cette petite roche là, ça serait pas pire. Ma petite roche est assez grosse. Eh oui, yes sir. On va être bien ici pour pêcher. C'est parfait. J'adore ce petit endroit-là de la map à l'ouest de la map. Il y a beaucoup d'animaux et c'est vraiment tranquille. Quasiment pas d'habitation, cette petite partie-là. Ennisburg, là, c'est vraiment, vraiment pas pire. Cette petite rivière-là a l'air pas mal aussi. On va essayer de la pêcher. Let's go, on est parti. On va aller pêcher une grosse truite arc-en-ciel. On va charger notre appât. On va essayer de mettre notre appât que j'ai. Notre truite de rivière augmente les chances d'attraper un poisson moyen et gros. Ok. On va mettre ça. Le leurre spécial permet de pêcher des poissons légendaires. Donc c'est ça que j'ai, un leurre spécial. Leurre de rivière spéciale, exactement. Je pouvais juste en acheter un, mais je pense qu'il est réutilisable, mais je suis pas sûr. Allez, on lâche comme ça. On tient L2, on pèse sur R2 longtemps, puis on lâche. Comme ça, ça tire la canne à pêche assez loin. Je vous dis que c'est assez réaliste, la pêche. J'ai jamais vu un jeu de pêche, même pas quel jeu. Soit un jeu de pêche, un jeu de n'importe quoi, aussi bien fait que ça. Puis c'est un jeu de Far West qu'il a, un jeu Rockstar. C'est vraiment bien fait, vous avez... Oups. On fait le poisson, j'ai une prise. C'est parti, on le contrôle, on va le contrôler. On attaque, s'épuise. Ensuite, on le reel. Oh, ça a l'air d'être gros. Je sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être gros. Oui, on reel. Allez, viens. Je l'ai. Qu'est-ce que c'est que ça? J'espère que c'est le gros. Allez. Directement, oh, le pro pêcheur. Wow, regardez-moi ça. Mais what the fuck, est gros! Truite arc-en-ciel légendaire, it was this big. J'ai eu le trophée pour ça. Mais tenez pour afficher les détails, on va regarder les détails vite fait, voir. Pour le fun, progression totale, pêcher 1 sur 1. La truite arc-en-ciel légendaire aurait été repérée près de William Rest, comme les autres truites, hein, lors de lac de rivière, comme j'ai fait. Hein, c'est un poisson particulièrement actif. Rencontre arc-en-ciel légendaire pour apaiser jusqu'à 9 kg et mesurer près de
1,30 mètres. Ben, c'est pas mal ça qu'on a. Je sais pas comment est-ce qu'il pèse, lui que j'ai pogné. Il est gros, hein, sale. J'ai même pas regardé comment est-ce qu'il pèse. J'ai regardé sa vidéo. Ben, il est énorme, hein, maudite merde. Si, ouais, regardez-moi ça. C'est sûr qu'on le garde. On va pas commencer à remettre ça à l'eau, hein. Les gros poissons peuvent être stockés sur votre cheval. Ouais, mais attends, si là, j'échappe mon poisson dans l'eau. Ouais, mais attends. J'ai vu un gars qui avait tué un bison légendaire, puis qui était allé dans l'eau avec, puis qui l'avait échappé dans l'eau, puis qui était plus capable d'aller le chercher. Fait que là, je veux pas aller dans l'eau avec, faut vraiment que je le mette sur mon cheval. La flotte, la flotte. Elle flotte. Reste à voir jusqu'à voir aller. Je peux peut-être la suivre pendant longtemps, ma grosse truite. Ouais. Yes! Les gars, je l'ai, chanceux. La truite a flotté. On peut s'en aller. Ouf. Ok, vous avez votre réponse. Si jamais vous allez pêcher ce poisson-là, vous pouvez aller dans l'eau, mais vous allez l'échapper. C'est un peu logique aussi, le gars. On a misère à traverser ça, mais. En tout cas. On va mettre ça sur le cheval. Je ferai une petite coupure au pire, c'est pas bien grave. On va charger ça sur le cheval. Let's go. Vous avez pêché un poisson légendaire. Allez dans le bureau de poste pour l'envoyer à Jerry, je sais pas trop, Jérémy. Ah ouais, c'est le gars. Ça, c'était le gars qui m'avait dit que. En même temps, on va aller vers cette petite ville-là. On va aller essayer le bureau de poste. C'est le gars qui m'avait dit que je pouvais me faire de l'argent en empaillant les poissons. Puis comme ça, j'allais me faire de l'argent avec ça. Parce que les poissons, on peut pas ramasser leurs dents, leurs choses pour crafter des trucs. C'est plus pour faire de l'argent. Moi, ça me va, c'est pas bien grave. On va aller porter ça à la petite ville de tantôt. Ah, mais écoutez, je vais faire une petite coupure. Je vais avoir fait une petite coupure, mais c'est pas bien grave. Tout ça pour me rendre compte que c'était pas grave si j'allais dans l'eau avec, il allait juste flotter. Allez, c'est du coup, on y va. On va mettre le mode cinématique, ça j'aime bien ça. Le mode cinéma. C'est une espèce de pilote automatique. La caméra se fixe sur vous, puis vous avez juste appuyé sur X pour vous faire avancer, puis sinon le cheval tourne tout seul, puis vous pouvez profiter du paysage en avançant. Parfois ça se déclenche tout seul dans l'émission. En tout cas, vraiment. Vraiment, il y a tellement de trucs qu'on peut faire dans le jeu. On dirait que la manette là est tellement surchargée. Là. La manette, tous les pitons sont utilisés, et même plus. Là. Il y a trois roulettes d'inventaire, c'est n'importe quoi. C'est tout qu'un jeu. C'est pas pour rien que j'étais pas à faire des vidéos dessus, c'est parce que j'étais vraiment pas capable. Je me sentais même pas à la hauteur d'en faire. Je savais pas comment faire une vidéo pour bien le montrer. Mais en fait. Bon, je me suis dit, ah ouais, gros, on fait une vidéo. N'importe quoi, on s'en fout. On en fera d'autres au pire pour vous montrer d'autres parcelles du jeu. C'est pas grave. Attention, hein. Tassez-vous. Là, je vais chauffer parce que sinon, mon bonhomme, il va rentrer. C'est sûr que mon cheval, là, il est vraiment sale. Là. Il a pas de chialer. Là, c'est une espèce de petite scierie ou je sais pas trop. Ça me semble, ils doivent vivre. Ah, il y a des chevals. Et regardez qu'est-ce que c'est. Un Morgan, l'autre ça doit être un Morgan aussi. Non, c'est un Kentucky, ok. Rien de très intéressant. Ouais, Poppy, belle petite ville, ça va être une ville qui exporte du bois ou son mal. Je devine. Il y a un petit inconnu détraqué là. Le train, c'est sûr qu'on aurait pu y aller en train là-bas. Je sais pas. Non, c'est vrai, la traque à. Elle n'est pas finie là-bas. Elle continue jusque presque en haut de la rivière, mais elle arrête, puis tu vois du monde qui sont en train de la continuer. C'est quand même capoté. La traque de chemin de fer, je crois qu'elle arrête ici. Est écrit. Il y a une place où on voit la traque. Ouais, ici. Puis elle arrête là. Ah, oh, ben là. Ici, t'as fait le tour, c'est correct. Ici aussi. Ah, mais en fait, c'est pas là de bord. D'abord, c'est ici qu'elle est arrêtée. Ouais, c'est ici qu'elle arrête, mais elle est en train de se faire construire. Intéressant à voir. Très intéressant à voir. Mais dans le fond, elle monte jusqu'en haut. Celle-là. C'est pas la même traque, en fait. Bonjour, monsieur de la poste.
J'ai un petit courrier, de rien du tout, un petit colis à vous envoyer. J'ai un petit tout arc-en-ciel de taille exceptionnelle. J'ai pêché dans une rivière. Tiens, je t'ai envoyé ça. Voilà. Là, je devrais avoir du courrier. Attraper 1 sur 13 des poissons légendaires. Ok. Ça serait peut-être intéressant d'en faire d'autres. Si vous aimez les petites vidéos de pêche comme ça, on va pouvoir en faire. Ah ben, on pourra faire peut-être des missions comme celle-là là-bas. Là. Petite mission avec le point d'interrogation que j'ai vu tantôt. Mais parfois, c'est des collectables et des affaires de même. Fait que ça, si on fera pas ça ensemble. Je sais pas trop ce que je pourrais faire comme autre vidéo. Mais si vous avez des idées, écrivez-les en commentaire, comme je dis. De toute façon, il y a tellement d'affaires à faire dans le jeu. On pourrait peut-être faire des missions de camp. Une mission de notre camp, genre, ben c'est, là, ça donne que c'est de la pêche aussi. On pourrait aller à la chasse. C'est sûr qu'on va aller à la chasse à l'orignal. En haut, là, vous avez vu, il y avait un orignal légendaire. Et là, l'orignal légendaire, puis il y a le Wapiti. Le Wapiti ici, lui, il n'est pas légendaire, par contre. Mais en même temps, on pourrait aller chercher le Wapiti. Ouais. Ça pourrait avoir du bon sens. Là, je me semble qu'ici, il y avait quelque chose à aller chercher aussi. Je sais pas si je suis allé. Je m'en rappelle plus. Bon, bref. Ça va être tout pour cette vidéo-là. On se retrouve. On va espérer bientôt pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Redemption. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Malgré le petit fail, ben, c'est pas vraiment un fail, mais le petit inattendu que j'avais la misère à ramener mon poisson sur le bord. Ça s'est quand même bien déroulé. Ça a été belle fun. Je vous souhaite de passer du bon temps sur ce jeu-là si vous l'avez. Et si vous l'avez pas, empressez-vous d'aller l'acheter si vous en avez les moyens. Salut!